Coucou tout le monde, c'est Esteban. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, bon, vu que je fais pas mal de vidéos, Blaze, tout ça, bientôt, quand je serai payé, il y aura une vidéo unboxing. Mais bien sûr, cette vidéo, je l'aurais déjà tournée. Vu que, bah là, on va faire du blind test. Bah oui, comme je le vois. Il y a une chaîne qui est vraiment pas mal. Bon, bah, 38 000 abonnés. Si, non, je déconne. J'en ai que 5. J'ai passé le cap des 50, c'est aussi pour ça. Un spécial blind test pour les 50 abonnés. Enfin, j'avoue que la vidéo, elle va sortir dans 2 mois. Alors... Oui, parce qu'à l'heure où je parle, on est le jeudi 13 août. Comme vous le savez, comme vous avez dû déjà le voir dans certaines vidéos, je tourne les vidéos bien à l'avance. Ouais. Beaucoup à l'avance. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, on va faire un blind test sur et grâce à cette chaîne que je kiffe, hein, franchement. Que des fois ça m'arrive de faire les blind tests. On va faire un blind test en général. Blind test. Non, ça c'est dur. Je l'avais essayé. Oui, bon, ça, je l'ai déjà fait. En vrai, il y en a plein que j'ai déjà fait. Mais bon, il y en a que, bah, que j'ai pas continué. Tout, tout, tout. Voyons voir. On peut peut-être faire un blind test sur les dessins animés. En plus, bah attends, si c'est le 2, on va essayer de trouver le premier. Ouais, j'adore les blind tests, vous imaginez même pas. Blind test de vidéo. J'avoue, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mais je sais pas si je suis assez performant. Blind test animé. J'ai beau pas connaître beaucoup d'animés. Ouais, vous savez quoi? J'aime bien les mangas, vous l'aurez constaté à ce niveau-là. Attendez, regardez, j'ai un petit commentaire. Ah, oui, donc je suis. Je pense. Non. Je vais lui répondre. Et voilà, je lui ai répondu. Bon, bah, hein. On va faire un petit blind test animé. Est-ce qu'il y a une pub? Non, oh, on va baisser le son. Ouais, faut baisser le son. Bon, ouais, je vous explique. J'adore les blind tests. Hein. Bon, il est 2 h du mat, c'est sûr que je peux le faire avec personne. Voilà. Franchement, c'est une chaîne que je vous conseille pour vous amuser en famille. C'est une chaîne que je kiffe. Des fois, je m'amuse. Hein. Allez, on commence. On va voir si je suis chaud. Bon, c'est un manga que j'ai jamais vu, mais je sais que c'est One Piece. Très connu, c'est très connu One Piece. Bon, pour ceux qui s'intéressent pas à le blind test, cette vidéo ne vous intéressera pas. Hein. Moi j'adore. Voyons voir ce qu'on a d'autre. One Punch Man. C'est One Punch Man. Très bon manga. Mais dommage qu'il n'y a pas la saison 2 sur Netflix. Il n'y a que la saison 1. Je l'ai fait en une journée. Ça m'a fait rire. 2 points. Ouais, je reconnais la mélodie, c'est DBZ. Enfin, Dragon Ball. Et je pense même Dragon Ball Super. Non, Dragon Ball Z. C'est tellement. Ça se joue sur un détail. Wow, quoi? Fairy Tail? Hunter x Hunter. Jamais vu! Ah là là, des fois c'est chaud. What? Y a vraiment un manga qui a cette musique? On va monter un peu le son. J'ai envie de me taper, j'ai jamais. Pourtant j'ai regardé Naruto, mais après j'ai regardé. Death Note! Et je l'ai vu 3 fois. Putain, j'ai foiré Naruto. Bon, après, c'est pas. J'avoue, j'ai plus regardé Shippuden que Naruto. J'ai deux fautes, hein. Alors, là, on a quoi? 7. Bleach? You are in April. Ok! Si vous voulez me taper dans les commentaires.
Moi, allez. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul n'est pas en entier sur Netflix, je voulais me le mater, mais il est pas en entier, il y a que la saison 3. Bon, j'avoue, j'ai vu que 6, 9 mangas. 9? Parasite. C'est le manga, c'est le prochain manga que je vais regarder. Putain! Je l'ai jamais vu. Il est téléchargé dans mais dans sur Netflix. Il est prévu après Food War que je regarde. C'est l'attaque des Titans. Voilà. Tout comme Ganze. Voilà. Ouais. Tiens, c'est pas Food War ça? C'est une mélodie ressemblante. Ah non, c'est Fairy Tail. Oh, le premier générique de Food War, il est pas presque pareil, ça part sur les mêmes. Ça, c'est Assassination Classroom. Je crois. C'est joyeux pour. C'est une musique joyeuse. Voilà. Avec Monsieur Koro. Ouais, j'ai des petites connaissances. Ah, Pokémon, pour ceux qui savent pas, oui, c'est un manga! Il y en a pas beaucoup qui savent que c'est un manga, hein. Ça faut se le dire. Défi! Pokémon! Je compte plus mes points en fait. Wouah, c'est cool. Et pourtant, faut que je me mette à jour au manga. Overlord. Si vous avez des mangas à me proposer en commentaire, vous me le dites, j'essaye de le trouver de préférence sur Netflix. Ça me dit quelque chose, ça. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu. Sword Art Online. No Game No Life. J'adore la musique. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Même le piano du début, il est trop bien. No game, no life. Il était kiffé. Dommage qu'il n'y a pas la saison 2 encore. T'es quoi ça? Seraph and the Dead, Vampire Reign. Ah, pas sur Netflix. Après, ça va se jouer sur des connaissances que je connais que en question de générique, où j'ai dû voir un épisode ou deux. Mais même là, j'arrive pas à savoir, ça se trouve, c'est un manga que j'ai déjà vu. C'est quoi ça? C'est un truc sur le volet? Ok. Pourquoi tu nous mets deux fois Dragon Ball 7? C'est Dragon Ball. C'est tout le premier. Et tant que je suis. S'il y a deux fois Dragon Ball, ils vont nous mettre le générique de Shippuden aussi. Ok. Dororo. Faut que Netflix fasse le plein de manga, je pense. Pas de pub, j'espère. Non, c'est nickel. Par contre, je sais pas. Blue Exorcist. Je l'ai mis dans ma liste. Il fait partie de toute ma liste. Je montrerai ma liste. Goblin Slayer. Ça a l'air pas mal. En soi, il y a combien d'extraits? 110. Je sais pas. D'accord. Attends, il y a 110 animés. Je suis pas dans la merde, hein.
C'est quoi ça? Ah, j'ai une culture en animé! Full Metal Alchemist Brotherhood. Putain, il y a tellement de mangas qu'il faut que je regarde. Je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. My Hero Academia, je l'ai déjà entendu. Ça me dit quelque chose en plus. Désolé, j'ai confondu avec un autre truc. Violet Evergarden. Oh, bah, je l'ai mis dans ma liste aussi. Il est sur Netflix. Et on arrive quand même à tomber sur 110 extraits, j'en ai vu que 8. Non, officiellement j'en ai vu plusieurs, vu que Pokémon est un manga, Beyblade est un manga. Voilà, après... Moi je les généralise pas comme des mangas, bon, je sais pas, je sais plus. Je l'avais vu quelques épisodes avec mon oncle, mais je me souvenais plus du générique. Je sais pas pourquoi, mais je vais m'arrêter à 50, les gens. Hein. Ouais, je vais m'arrêter à 50 en soi. Parce que j'y connais rien. J'ai déjà entendu. J'ai plus de nom. Benz. Je crois aussi. Non. Bon appétit. Non, je l'ai pas mis dans ma liste. Yu-Gi-Oh aussi, c'est un manga, c'est vrai. Je compte plus mes points parce que je dois en avoir 5. Bon, celui qui a compté mes points, je lui offre une carte Xbox de 10 balles. Bon, faut déjà que je sois payé, hein, c'est compliqué. Bon, officiellement, quand la vidéo sortira, j'aurai plus de thunes. C'était une boutade. Je l'ai pas. Non mais il a allé nous chercher des mangas aussi. Hein, je saigne. Je sais rien. Oh, c'est que du sang. Mais c'est quoi? J'étais haut. Il s'est jamais vu. Vous remarquez que je suis naze sur le blind test animé. Moi je me suis dit, allez, j'aime bien les mangas, je vais faire de l'anime, je vais faire un blind test animé. Ouais. What? C'est quoi ça? Data Live? Je bug. Est-ce que vous pensez que sur les dessins animés ou même les jeux vidéo, sur les jeux, je pense que je vais refaire une vidéo derrière et celui-là sera pas sur les jeux vidéo. Steins Gate. Ouais. Je m'arrête à 50, hein. Il y en a 110. Non, j'ai pas envie de me faire encore humilier comme ça. Je m'arrête à 50, il en reste 11 extraits. Oh putain. Je pensais pas qu'il y avait autant d'animés.
Je me suis fait avoir. Devilman, je l'ai mis, je crois, dans ma liste. Oh, j'en ai mis tellement en même temps. Ah, sérieusement, je vous autorise à m'insulter dans les commentaires. Je vous autorise. Vous pouvez me dire, enculé, pourquoi tu ne connais pas Blitz, fils de pute? Sérieusement, je m'en battrai les couilles. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu. J'entends juste les mangas. C'est maintenant décidé. Voilà, je l'ai déjà entendu. J'ai vu qu'elle un épisode. Ça m'a pas trop accroché. Ah, lui, je l'ai déjà plus qu'entendu. Je l'ai. Coucou! Oh, j'ai même réécouté le générique il y a pas longtemps. Parce que je me souvenais plus de à quoi il ressemblait le générique. Oh putain, j'ai réussi à trouver Kuroko à une seconde de la fin. Bon, bien sûr, à l'heure où je vous parle, Paris a gagné. On a eu chaud, on a eu chaud, on a eu très chaud. J'espère qu'à l'heure où je vous. Le jour où vous verrez cette vidéo, Paris aura gagné la Ligue des Champions. Juste ça. Dès qu'elle sortira le 28 août. 27. Non, pas août, septembre. Plus que 4 extraits. C'est quoi ça? Par contre, ça passe No Game No Life, mais ça passe même pas du foudroi. J'espère qu'ils vont pas. Oh, lui aussi, il est sur Netflix, il est dans ma liste. Par contre, dans les 50 extraits que je fais, il n'y a pas de foudroi alors que je suis en train de regarder. Par contre, j'espère que s'ils font foudroi dans les deux derniers. Ok, Love is War, la guerre de l'amour. Un truc joue un manga avec un opening joyeux. Release the space. The space. The spice. Ah, d'accord. The spices. Le dernier extrait. Pourquoi ça m'énerve? Ok. Bon, bah, les gens, regardez. Non, on va se laisser là, hein. Ouais. Parce que. Ah, il est là le BTS dessin animé. Ah, bon, on va sûrement en faire dans les prochains. Mais vous voyez que je suis une grosse quiche en manga. Attendez, je vais vous montrer ma liste. Je vous mets pause, on se retrouve après. Et voilà ma liste des mangas. Bon. Alors, vous voyez, hein. Les mangas que j'ai vus. Naruto Shippuden, oh putain, Shippuden. Officiellement, je n'ai pas vu les 22 saisons, je n'ai vu que les 21 premières. La 22, ça m'a saoulé vu que la 21, c'est la conclusion finale. Avec la bagarre, la baston avec Naruto, entre Naruto et Sasuke. La fin de Kaguya, voilà. J'ai vu aussi Death Note, Kuroko Basket, oui, on dit Kuroko no, mais je m'en bats les steaks. One Punch Man, mais sauf que bah, y a que la saison 1 que j'ai vue, vu qu'elle est, c'est la seule qui est disponible sur Netflix. High School of the Dead. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas une autre saison, mais bon. En soi, c'est un petit manga sympa, avec des zombies, voilà, de l'humour, salace. Voilà. Assassination Classroom, sympa, deux saisons, hein. Et regardez Parasite. Il est prévu, comme Gambling School, Black Lagoon, Blue Exorcist, Psychopass, Dead Man Wonderland, Megalobox, Cacaster and the Insect Cage, Doro et Doro, Gantz, qui est téléchargé, Cabana of the Iron Fortress, The Battle of Tutano, Guilty Crown, Devil Cry Baby, Sword Gate the Animation,
Violet Evergarden, Japan 6 2020 et Backstreet Girl. Sérieusement, j'ai mis des trucs, peut-être que ça me plaira pas. Mais bon, si vous avez des mangas à me proposer et que bah c'est dans le genre un peu humour, action. En plus, j'ai remarqué que les Japonais ils aiment bien faire un peu de l'humour asexué. Enfin, ils abusent, voilà. Mais bon, ça, après, ça donne un humour subtil. C'est ce genre d'humour que j'aime bien. Si vous avez. Ou même de l'horreur. Comme. Enfin, j'avoue, je vais mettre Death Note dans de l'horreur. Comme High School of the Dead. Ou même du sport. Regardez, j'ai vu Kuroko. Hein. No Game No Life, c'est du jeu vidéo. Food War, c'est sur la bouffe. Hein. Voilà, bon. Sur ce, les amis, vous avez eu ma liste. On se dit à la prochaine. Peace.